crimes atroces se sont accomplis ici autrefois. Cette maison respire le meurtre et le sang répandu. Après 10 ans d'absence, celui qui a brisé le sol de Troie nous revient en vainqueur. L'aîné des Atrides, le plus grand, le plus heureux, le plus auguste des vivants, Agamemnon, apporte la lumière dans la nuit qui couvrait son peuple. Une abomination irréparable va avoir lieu ici. Vous allez assister à la mort d'Agamemnon. Il est mort de ma main et voilà l'œuvre de ma justice. Tu as écorché ton propre mari. Tu seras voué à l'exil, à la haine publique. Tu me condamnes à l'exil, à la haine. Mais là encore, tu n'as rien trouvé à dire à cet homme quand il a sacrifié sa propre fille, son propre sang. Et pourquoi il l'a tué ? Pour calmer les vents et à lui faire sa guerre ? Pauvre roi, mais quelle mort indigne ! Ah non ! Qu'on n'aille pas dire que sa mort est indigne. Il a apporté le malheur dans cette maison par la ruse et ouvertement. On a osé mutiler le cadavre d'un roi. On a osé l'enterrer comme un chien, en cachette. Maudite malédiction qui pèse sur cette maison. Rien ne peut t'échapper, c'est ça ? Vous avez assassiné un homme admirable par traîtrise ? Alors c'est par la traîtrise qu'Égiste est mort et que tu subiras le même sort. Dans mes cauchemars, le serpent que je mettais au monde, c'était toi. Je suis le serpent qui te videra de ton sang. Voilà la prophétie qui s'échappe du sanctuaire avec un bruit immense. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête!